stress un peu de la foule, du public. Enfin, c'est le petit stress du matin où on a toujours peur d'avoir oublié un truc, mais je pense pas. Et non, sinon, le stress que j'avais, c'est plutôt du stress positif qui me booste et qui donne de l'enjeu à la course. Donc plutôt du bon stress, et j'ai hâte d'être sur la ligne de départ et sur mon bateau et me mettre un peu dans ma bulle et là, faire plutôt place à la concentration. Et ben, l'objectif général, c'est de terminer idéalement dans le top 5 pour faire mieux que l'année dernière. J'espère peut-être réitérer un podium comme à la fin de la saison dernière, pareil. Et puis surtout, pas de prendre de grosses erreurs, pas de prendre de gros temps et voilà, pas naviguer non plus trop risqué pour pas me cramer dès le début. Non, moi j'aime bien, c'est une alternance pas mal de un peu de côtier, on va pas mal à la côte, il y a des courants, des effets de site. Après on a des grandes traversées, il va y avoir beaucoup de jeux au niveau de la météo est plutôt très incertaine. Je suis prête, tout est à bord du bateau, j'ai plein de bonnes choses à manger, j'ai ma météo, j'ai des idées claires, donc maintenant j'ai un peu hâte de partir en effet.